Moi, tu me donneras le cue. C'est bon, ça enregistre. Donc, parfait. Bon, ben, merci d'être là. Bienvenue. Donc, aujourd'hui, comme on dit, on va parler de la digestion, du processus digestif. Donc, juste pour me présenter un petit peu, je suis Chantal Clance, je suis massothérapeute et naturopathe hygiénomiste. En fait, je suis une passionnée de la santé et du fonctionnement du corps humain depuis mon adolescence. Depuis mon enfance, déjà à ce moment-là, je me questionnais sur le fonctionnement du corps, les maladies, qu'est-ce que les maladies faisaient au corps et tout ça. Donc, c'est vraiment une curiosité que j'ai depuis que je suis toute jeune. Et de fil en aiguille, dans mon adolescence, j'ai vécu des problèmes de santé, dans le fond, moi-même, entre autres, l'anxiété et des troubles digestifs. Et donc, ça m'a amené à me questionner et à chercher plus loin au niveau naturel des solutions parce qu'au niveau médical conventionnel, ben, tout était toujours correct dans mes examens. Donc, j'avais comme jamais vraiment de réponse. Et c'est là que je t'avais finalement en 2016, finalement, je ne me souviens plus quel âge que j'avais, mais en tout cas, je suis allée me diplômer en naturopathie. Et par la suite, ben, j'ai poursuivi dans cette veine-là. Je suis allée me former aussi en massothérapie. Et maintenant, dans le fond, c'est ce que je fais dans la vie. Et je crois fermement que se maintenir en santé, c'est quelque chose qui peut être fait dans la simplicité et le plaisir. Donc, ce n'est pas obligé d'être restrictif. Ce n'est pas obligé d'être contraignant. Ça peut vraiment être fait dans un quotidien tout en restant agréable. Et à travers tout ça, ben, je suis aussi une maman de deux jeunes enfants, un garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Donc, ça brasse pas mal par chez nous. Alors, moi, c'est Julie Guimond. Je suis aussi une passionnée de santé globale. Dans le fond, toutes les sphères de la santé, que ce soit santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, financière, toutes les sphères de la santé. Je ne suis pas une professionnelle dans aucune de ces sphères-là, mais je m'intéresse passionnément à ces sphères-là. Donc, je suis maman de deux adolescents et j'utilise les huiles essentielles depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Déjà, donc plus de 20 ans. Et je travaille avec doTERRA depuis mars 2018. Je suis aussi certifiée Aromatouch. Aromatouch, c'est un soin, c'est pas un massage, mais c'est un soin qu'on fait sur les gens, là, sur le corps, là. Et ça allie, dans le fond, les deux côtés thérapeutiques, l'aroma, les odeurs et le toucher, le touch. Donc, ça l'aide vraiment au niveau du système immunitaire, ça l'aide à relaxer, ça l'aide à détoxifier aussi le corps et à travailler au niveau du système nerveux végétatif, dont la digestion. Donc, dans le fond, juste des petits avertissements. Évidemment, toutes les informations qui sont dans cet atelier-là sont fournies à titre d'information générale. Donc, tu sais, on ne donne pas de diagnostic ou de pronostic personnalisé, évidemment. Et ça ne remplace pas non plus un avis médical. Si vous avez une problématique de santé en particulier qui vous questionne ou qui vous préoccupe, la première étape est toujours de contacter votre médecin si vous en avez un, je vous le souhaite. Mais c'est ça, c'est toujours de contacter votre médecin pour pouvoir aller faire les examens nécessaires après ma barre. Donc, juste pour petite spécification. Et aussi, aujourd'hui, on ne parlera pas des différentes diètes alimentaires. OK? Donc, je veux vraiment le préciser, on n'est pas là pour débattre de toutes les diètes alimentaires qui existent. Il y en existe beaucoup. Elles ont tous leurs avantages, elles ont tous leurs inconvénients. Donc, ce n'est pas dans ce but-là, l'atelier. Donc, nous, on revient vraiment à la base du processus digestif et de comment les aliments sont digérés dans notre corps et comment optimiser la digestion de ces aliments-là. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a fait l'atelier aujourd'hui. Et pour commencer, en fait, juste pour présenter un petit peu c'est quoi la naturopathie hygiénomiste, parce que hygiénomiste, c'est vraiment une branche spécifique à la naturopathie. C'est un terme qui est vraiment enregistré seulement pour les naturopathes qui ont fait ce type de formation-là. Donc, en gros, en étymologie, hygiénomiste, ça vient du grec qui se rapporte à la santé et à la gestion et à l'administration. Donc, c'est vraiment la gestion des saines habitudes de vie. Donc, on est vraiment spécialisé dans cette branche-là. Et pourquoi moi, je me suis tournée vers ce type de naturopathie-là, c'est parce que je trouvais qu'à l'instar de la fondation d'une maison qui soutient vos murs, puis qui soutient votre demeure,
les habitudes de vie étaient la fondation de notre santé et c'est ce qui va orienter, dans le fond, la qualité de votre santé en fonction de la qualité de vos habitudes de vie que vous mettez en place au quotidien. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis tournée vraiment vers ce type de naturopathie-là. Et quand on parle d'habitudes de vie, en fait, de quoi on parle? Bien, évidemment, selon la petite pyramide ici qu'on voit, à la base, c'est l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on ingère? De quelle façon on nourrit nos cellules, qu'on nourrit nos organes pour avoir le maximum d'énergie dans notre quotidien pour faire toutes les choses qu'on a envie de faire? Ensuite de ça, on a l'activité physique. Évidemment, le corps humain, il est fait pour bouger. Malheureusement, en 2021, ben, souvent, on a des emplois ou des contextes de vie qui nous amènent à être beaucoup plus sédentaires. Mais le fait d'être plus sédentaire nous amène aussi son lot de douleurs ou de malaise par rapport à ça. Donc, le corps humain, il est fait pour bouger. C'est important de lui apporter cette activité-là au quotidien. Ensuite, le repos et harmonie. Repos, ben, dans le fond, au niveau de votre journée, hein, est-ce que vous accueillez assez de moments de repos à travers vos moments d'activité? Est-ce que vos nuits de sommeil sont réparatrices? Est-ce que le matin, vous vous levez en forme? Et harmonie, ben, c'est au niveau de la gestion de vos émotions, la gestion de votre stress. Comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce que vous vous sentez souvent submergé par vos émotions ou vous arrivez à bien gérer ça au quotidien? Donc, ça fait toute partie aussi d'une santé globale, dans le fond, de cette approche-là. Et la réduction de l'exposition aux produits synthétiques, ben, on parle autant de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, mais à plus petite échelle, vous, dans votre quotidien, est-ce que vous arrivez à, au niveau de vos produits ménagers, au niveau des produits que vous utilisez pour votre corps, vos cheveux et tout ça, est-ce que vous arrivez à limiter le plus possible les agents qui sont agressants dans ces produits-là? Et pour finir, les soins de soi autonomes et soins de médicaux proactifs, ben, c'est quand vous êtes confronté à une problématique, est-ce que vous êtes capable de prendre soin de vous? Est-ce que vous êtes capable de vous accorder du temps? Est-ce que vous êtes capable d'aller chercher de l'aide quand vous en avez besoin, que ce soit le médecin, un massothérapeute, un ostéopathe, une psychologue, etc. Donc, ça fait partie aussi de la santé d'être capable d'aller chercher de l'aide quand on sent qu'on n'est plus capable de le faire seul. Donc, c'est vraiment important d'être en mesure de le faire à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait partie, dans le fond, globalement, des habitudes de vie. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de la première phase qui est l'alimentation. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, les troubles digestifs qu'on peut ressentir, si jamais il y a des termes que j'utilise qui vous sont plus méconnus ou vous ne savez pas trop, vous pouvez aussi les écrire dans le chat ou on pourra y revenir au moment de la période des questions puis je pourrai éclaircir à ce moment-là certains termes. Donc, communément, les brûlements d'estomac, les reflux gastriques, les ballonnements, les gaz et irritations fréquentes, les spasmes abdominaux, la diarrhée ou la constipation ou une alternance des deux. Il y a différentes intolérances aussi qu'on peut avoir, soit au lactose, au gluten, au soya, à la caséine, au FODMAP. Il y en a sûrement plein d'autres aussi. Certaines maladies comme maladie cœliaque, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite, le côlon irritable, lui, il se promène un peu dans tous les autres troubles digestifs. Dans le fond, c'est comme un ado lâché. Le côlon irritable, il réagit un peu tout le temps n'importe quand. Et évidemment, un autre point que de plus en plus, les études font une corrélation entre notre système digestif, dans le fond, notre microbiote, toutes les petites bactéries qui sont dans notre système digestif, et notre stress ou notre anxiété ou en fait notre santé mentale, les études poussent à rechercher que finalement, il y a vraiment une corrélation entre la qualité de notre système digestif ou la qualité de nos bonnes bactéries dans notre système digestif versus notre santé mentale. Donc, c'est vraiment important cette portion-là aussi de la gestion de notre stress pour notre bonne digestion. Et petit cue, la gestion du stress, ça va être notre prochain atelier au mois de mars. Donc, et pour les FODMAP que je parlais tantôt, en fait, c'est un acronyme que j'ai écrit ici en bas. C'est pour les, excusez mon anglais, là, Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. En fait, c'est toutes les formes de sucre qui peuvent créer de la fermentation dans le système digestif, qui sont, entre autres, contenues dans les produits céréaliers, dans les légumineuses et dans les fruits et légumes. Donc, certaines personnes ont une intolérance ou une sensibilité à ces produits-là.
Donc, c'est juste pour faire un récapitulatif à peu près des troubles digestifs qu'on pouvait retrouver là, en général. Et, comme je disais tantôt, on revient à la base du processus digestif pour comprendre, parce que les diètes alimentaires comme telles, on vous dit quoi manger, mais en arrière de ça, il y a un processus. Les aliments sont digérés chacun à leurs étapes différentes dans le processus de la digestion. Et c'est important de le comprendre quand on souffre de troubles digestifs, parce que des fois, il faut revenir à cette base-là pour savoir qu'est-ce qui nous cause, dans le fond, nos maladies. Donc, la digestion débute dans la bouche. Okay, donc, elle ne commence pas dans l'estomac. Elle débute vraiment dans la bouche avec la salive, avec une enzyme. Dans le fond, les enzymes, c'est ce qui nous permet de digérer les aliments puis de les rendre en bol alimentaire. Là, donc, qui les décompose. Donc, l'enzyme dans la salive, elle s'appelle la thiamine et elle est nécessaire pour la digestion des aliments qui sont amidons ou farineux. Donc, amidons, farineux, les pains, pâtes, patates, ce type de catégorie-là, dans le fond, les céréales, etc. Ensuite, la digestion va se poursuivre dans l'estomac avec les sucres gastriques, donc entre autres la pepsine et l'acide chlorhydrique. Et là, ça va être autour des aliments de type protéines qui vont être digérés au niveau de l'estomac. Par la suite, le bol alimentaire va poursuivre son chemin dans le petit intestin et avec la bile, les sucres intestinaux et les sucres pancréatiques, ça va être autour des aliments de type lipides et sucres qui vont être digérés. Et par la suite, le bol alimentaire va poursuivre son chemin dans le gros côlon où l'excédent d'eau va être absorbé et les aliments, dans le fond, qui n'ont pas été digérés vont être envoyés vers la sortie. En gros, ça prend à peu près de 6 à 8 heures pour que les aliments passent de l'estomac avec le petit intestin jusqu'au côlon. Donc, pour nous donner une idée là, du temps de digestion là, que ça peut prendre pour un repas qu'on vient de prendre. Sauf que là, la problématique là-dedans, c'est que dans les combinaisons alimentaires, dans ces certaines enzymes-là, bien, notre système digestif, des fois, il se fait un beau party, puis il s'amuse à s'annuler, tu sais, entre eux, les enzymes. Donc, il y a certains aliments, donc ce que vous voyez en rouge, que lorsqu'on consomme ensemble, donc c'est ça qu'on parle de combinaison alimentaire, c'est que ça va créer, dans le fond, une mauvaise combinaison qui va nuire à la bonne digestion de chacun de ces aliments-là. Donc, je vous donne un exemple. Un aliment qui est acide, un aliment qui est acide, qui est mangé avec un aliment qui est farineux, dans le fond, l'acidité de notre premier aliment va nuire à la sécrétion de notre enzyme, la ptyaline, qui est sécrétée dans la salive, pour la digestion de l'amidon. Fait que ça veut dire que notre amidon va passer dans notre estomac sans être bien digéré. Même chose au niveau de la protéine. Si on mange une protéine avec un aliment acide, l'estomac, lui, dans sa tête, il va se dire « Ah, il y a déjà de l'acidité, fait que j'en créerai pas d'autre. » Fait que lui, il, dans le fond, il n'enverra pas ses sucres gastriques puis son acide chlorhydrique avec sa pepsine. Il va juste pas créer d'acidité et la protéine sera pas bien digéré. Le meilleur exemple de repas que je peux vous donner avec ça, c'est un bon spaghetti sauce tomate. Donc, on a le spaghetti qui est un produit farineux, dans le fond, à base de produits céréaliers. On a la sauce tomate qui est acide et on a la protéine. Habituellement, on a du steak haché ou on a du soya ou des lentilles dans notre sauce à spaghetti. Ce qui fait que c'est un repas qui devient très lourd, très difficile à digérer au niveau de notre système digestif. Fait que là, si on se rajoute un pain puis du fromage gratiné par-dessus ça, c'est sûr qu'une personne qui a une problématique déjà au niveau de la digestion, elle va se retrouver l'estomac par-dessus le dos, comme on dit. Okay? Puis c'est là qu'on va se sentir ballonné puis qu'on va se sentir gonflé puis avec un malaise au niveau de notre abdomen, finalement. Donc, c'est un peu le même principe, dans le fond, pour les autres groupes d'aliments. Ce qui arrive, c'est que chacun va souvent annuler la sécrétion de l'enzyme pour l'autre.
Là, vous voyez, dans le fond, il y a un gros X ou un gros plus au niveau des protéines. Les protéines, idéalement, ne sont pas digérables avec rien. Parce que chaque protéine a besoin de son enzyme et de sa quantité d'acidité exacte à lui pour être bien digérée. Donc, on peut même, idéalement, pour une personne qui souffre de problèmes digestifs, si ce n'est pas votre cas et vous pouvez manger ce que vous voulez, ça ne s'applique pas à vous. Là, moi, je parle dans un cas d'une personne qui vient me voir en naturopathie et qui souffre vraiment de problématiques. C'est, on va aller observer à ce niveau-là de ce tableau-là. Donc, une protéine qui est mangée avec une autre protéine, il ne faut pas que je clique dessus. Ce qui va arriver, c'est que l'estomac va faire la moyenne des deux et va, dans le fond, sécréter un taux d'acidité qui va être la moyenne des deux protéines. Donc, notre première protéine qui avait besoin d'un taux d'acidité plus bas, elle est correcte, elle va être digérée. Mais la protéine qui aurait eu besoin d'un taux d'acidité plus haut, lui, il va y en manquer pour être bien digéré. Donc, il va passer dans le petit intestin sans être digéré totalement. Et les sucres, eux, sont digérés dans le petit intestin et ils ont une digestion qui est hyper rapide. Il faut qu'ils passent directement de la bouche au petit intestin. Donc, si on les mange après un repas, donc le meilleur exemple, là, c'est souvent, avant, on disait manger des fruits après le repas comme dessert, bien, c'est la pire chose qu'on peut faire parce que si on mange après le repas, le reste du repas va bloquer l'accès de notre fruit, qui est un aliment sucré, au petit intestin. Donc, ce que ça va créer des ballonnements, ça va créer de la fermentation, ça va créer des gaz et de l'inconfort. Donc, dans le fond, c'est un peu ça le principe des combinaisons alimentaires. Fait que la question qui tue souvent quand les gens, je leur présente ça, c'est « Ouais, OK, fait que là, je mange quoi finalement? » Tu sais, la bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on est tous uniques. Et la réponse à cette question-là aussi. Dans le sens où il y a des gens pour qui manger des pommes, ça passe. Une autre personne va m'arriver et va me dire « Ben moi, des pommes, je ne suis pas capable de manger ça, je ne la digère pas. » Donc, c'est là qu'avoir un accompagnement peut être très pertinent parce que mon oncle Jacques, lui, il peut manger telle affaire, puis ma tante Ginette, elle ne peut pas. Puis là, ben finalement, maintenant, on se retrouve perdu à travers tous ces conseils-là ou toutes ces différentes diètes-là qu'on reçoit d'un peu partout. Donc, quand on souffre vraiment d'une problématique digestive, c'est vraiment bien d'être accompagné, que ce soit d'un nutritionniste, diététiste, naturopathe, selon la forme que vous avez envie d'avoir l'accompagnement. Et dans tous les cas, en fait, le suivi est fait de la même façon, c'est qu'on propose toujours à la personne de faire un journal alimentaire quotidien. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va arriver à déceler quel est l'aliment ou quel est le groupe d'aliments ou quelles sont les combinaisons d'aliments qui sont problématiques pour la personne. Donc, en ayant un journal alimentaire quotidien fait sur plusieurs semaines, avec les heures que les aliments sont mangés, ainsi que les heures auxquelles la personne ressent les symptômes, parce que des fois, ce n'est pas tout de suite après, ça peut être quelques heures plus tard, hein, parce qu'on a vu tantôt, la digestion, c'est 6 à 8 heures. Donc, des fois, ça peut être le lendemain, des fois, ça peut être un peu plus tard dans la soirée. Donc, quel groupe alimentaire pose problème? Et c'est là qu'on va faire une analyse des données et qu'on va faire une élimination des aliments problématiques et donc on va réévaluer de cette façon-là. Donc, ça, c'est la première étape. Et l'autre étape aussi, évidemment, comme je vous disais tantôt, on réalise de plus en plus que le stress a un gros impact au niveau de notre digestion. Donc, on va aussi observer au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété ou de la dépression de la personne pour l'aider à ce niveau-là, pour aussi aider au niveau digestif. Donc, c'est vraiment deux sujets, là, l'alimentation et la gestion du stress qui sont interreliés. Puis, dans le fond, ben, avec ça, on peut aussi, pour soulager nos symptômes quand on en souffre, on peut aussi s'aider de solutions naturelles comme les huiles essentielles que Julie va nous présenter. Bon, alors les huiles essentielles, c'est ça, comme Chantal le disait, c'est quelque chose qui va aller en accompagnement ou en prévention quand on a un petit problème digestif. Donc, pour mettre la table, dans le fond, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est un composé aromatique volatile qui provient des plantes ou des fleurs, des feuilles, des tiges, des racines aussi. C'est vraiment le système immunitaire de la plante.
Donc, c'est ce qui les protège des insectes, des intempéries et tout ça. Donc, c'est biocompatible avec notre corps. C'est pour ça que c'est si performant avec nous pour nous aider pour plein de petits bobos. C'est distillé à vapeur d'eau. Et pour avoir une bonne huile, il faut que ça soit distillé le bon nombre d'heures, au bon degré. C'est toute une chimie là, pour avoir le parfait schématype de notre huile essentielle. Et les plantes, c'est utilisé depuis des millénaires là, pour soulager différents symptômes de maladie ou de douleur. Et on remarque un très grand intérêt là, de plus en plus marqué des scientifiques pour les bienfaits là, indéniables dans toutes les sphères de la santé. Et moi, ce soir, je vous parle plus particulièrement des huiles essentielles de doTERRA. C'est celle que j'ai choisi de travailler avec pour en avoir essayé plusieurs. Et pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elles sont certifiées. Elles sont certifiées Pure and Tested Grade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est les huiles essentielles les plus testées au monde. Sous chacune de nos bouteilles, on a un numéro de lot et ça nous réfère à tous les tests qui ont été effectués. Et ça, moi, ça me sécurise beaucoup de savoir que les huiles essentielles que je prends pour moi, pour ma santé, sont testées. Puis il n'y a rien qui a été ajouté dans nos huiles, il n'y a rien qui a été enlevé dans nos huiles. Il y a aussi quelque chose de très important pour avoir une bonne qualité d'huile essentielle, c'est qu'elle doit être sourcée, cueillie, cultivée sur ses terres d'origine. Je donne tout le temps l'exemple de ici, on est capable d'en faire du vin au Québec. On a des raisins, mais est-ce que c'est le meilleur vin au monde? Non, vraiment pas. En Espagne, au Portugal, en Italie, en Californie, le soleil est parfait, les conditions sont parfaites pour donner le meilleur vin. Donc, c'est la même chose pour les huiles essentielles. Il faut que les plantes soient sur leur terre d'origine pour fournir la meilleure huile essentielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucun intermédiaire. Donc, il n'y a pas de brokers. Habituellement, c'est des brokers, des agents qui achètent des gros, gros, gros lots d'huile essentielle et qui les coupent pour les revendre, hein, parce que tout est une question d'argent. Donc, ils coupent les huiles, ils les rajoutent avec des huiles végétales ou avec d'autres molécules synthétiques ou avec d'autres huiles essentielles moins chères. Et ça fait que les huiles essentielles sont souvent falsifiées. Et avec doTERRA, il n'y a pas d'intermédiaire. doTERRA, c'est, dans le fond, directement de la source dans nos bouteilles. Et c'est sourcé aussi de façon éthique et responsable. Donc ça, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation, autant pour nous, les représentants doTERRA. On a de la formation par la compagnie, mais on est capable d'en donner aussi aux gens. Donc, c'est vraiment une éducation continue sur tous les thèmes de la santé. Et c'est une superbe communauté au service des gens qui est doTERRA. Je vous rappelle trois façons d'utiliser les huiles essentielles assez rapidement parce que s'il y en a qui n'en ont jamais entendu parler, je donne aussi un atelier de base sur les huiles essentielles. Donc, s'il y en a que ça peut intéresser, je pourrais vous inviter à ces ateliers-là qu'on en parle plus en profondeur de comment bien les utiliser aussi. Mais juste pour faire un petit survol, la première façon, c'est aromatique. C'est celle qu'on connaît le plus, soit dans un diffuseur ou même directement à la bouteille. Ou dans nos mains, on se fait un masque, on respire. Et ça, là, ça va avoir un effet instantané sur les humeurs, sur nos émotions. Et l'autre chose aussi, en le diffusant, c'est que ça purifie l'air. Donc, ça soutient notre système respiratoire parce que ça enlève les éléments pathogènes dans l'air. On peut l'utiliser aussi de façon topique. Topique, c'est sur la peau directement. Fait qu'on va l'utiliser où ce que ça fait mal. Donc, pour la digestion, là, ça va être très pratique directement où ce qu'on a un inconfort. On peut l'utiliser pur ou dilué. Si on l'utilise dilué, c'est surtout quand notre peau est plus fragile ou qu'on l'utilise sur la peau d'un enfant, des plus jeunes enfants ou aussi les personnes à la peau sensible ou aussi c'est pour... l'appliquer sur une plus grande surface. Parce que juste une goutte d'huile essentielle à un endroit, c'est parfait. Mais si on veut l'utiliser sur une plus grande surface, au lieu de mettre 10 gouttes, bien, je vais mettre quand même 2 gouttes dans un peu d'huile de coco, puis je vais pouvoir l'étendre plus facilement.
Et la troisième façon, c'est à l'interne. Donc, on peut mettre des huiles essentielles, seulement celles de doTERRA, parce qu'elles sont pures. Et on peut l'utiliser dans l'eau. Donc, ça va avoir un effet directement aussi sur l'intérieur de notre corps, donc pour la digestion. On peut l'utiliser dans les petites capsules végétales aussi qu'on vend de doTERRA. Là, c'est 5 $ pour 200 petites capsules. On ouvre la petite capsule, on met nos huiles, on le referme, puis on le prend comme une pilule. On peut le prendre aussi sous la langue, puis dans la nourriture. Les huiles essentielles pour une digestion saine, j'en ai ciblé quelques-unes. Je vais vous parler en premier de la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle a un effet vraiment anti-inflammatoire, donc vraiment très, très bonne sur quand on a des problèmes d'intestin, par exemple, ou de digestion. Elle va nous aider aussi pour notre haleine. Souvent, quand on a des problèmes digestifs, on peut avoir des problèmes d'haleine. Bien, de prendre une goutte directement dans la bouche, on le brasse un petit peu, on va avaler ensuite notre goutte pour que ça fasse son effet dans notre corps pour la digestion. Et on va avoir vraiment une haleine fraîche, fraîche, fraîche pendant plusieurs minutes, là, je dirais une bonne grosse demi-heure. Quand on souffre d'indigestion, on peut prendre la menthe poivrée aussi. On peut le prendre à l'interne, on peut le prendre topique. Pour la constipation, on peut en mettre dans de l'huile de coco et se masser le bedon. Ça va aider énormément. Maladie de crâne, pour la diarrhée, colon irritable, les ballonnements et le mal des transports. Donc, ça a tous des effets là, sur ces sphères-là là, de la digestion. Pour vrai, la menthe poivrée, moi, elle a beaucoup d'autres propriétés, là, mais pour la digestion, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi pour le goût. Gingembre. Oui, oui. Gingembre, c'est l'huile essentielle parfaite pour les femmes enceintes qui ont des nausées. Donc, pour les nausées, on fait juste le respirer, là, puis ça va nous aider pour les nausées. Donc, les nausées matinales, d'autres sortes de nausées aussi qu'on peut avoir, les indigestions, les lendemains de veille, les maux d'estomac, mal des transports. Gingembre, pour vrai, dans l'eau, une eau chaude le soir, là, un peu comme une décoction, là, on va mettre une goutte de gingembre, une goutte de citron, puis on boit ça le soir avant de se coucher. C'est très, très bon pour la digestion, puis c'est très, très bon au goût aussi. Le citron, c'est une huile que moi, j'utilise dans mon eau tous les jours et ça l'aide vraiment au niveau de bien nettoyer. Donc, de nettoyer le foie aussi. Comme le foie, tout passe par là, bien, c'est à l'aide pour la digestion. Donc, ça aide pour les gens qui ont une digestion très lente. Ça va activer un petit peu. Constipation, gueule de bois, brûlure d'estomac. Ça va aussi, une autre option que vous pouvez avoir, c'est pour nettoyer nos fruits avant de les manger. Donc, ils vont être exempts de bactéries. Donc, on aura moins de problèmes digestifs à ce moment-là. Et on a le mélange digestif de doTERRA qui est sur mon autre slide, c'est notre mélange Zen Jest ou Dizen Jest. Parce qu'aux États-Unis, ils l'appellent Dizen Jest et au Canada, c'est Zen Jest. Bon, donc digestion zen. À l'intérieur, il y a du gingembre, de la menthe poivrée, de l'estragon, du fenouil, des graines de carvi, des graines de coriandre et de l'anis. Donc, cette synergie-là, tout ensemble, elle va avoir un effet vraiment décuplé, là. Un grand, grand, grand effet bénéfique sur notre digestion. Donc, on pense vraiment de l'entrée à la sortie. Donc, que ce soit du reflux gastrique, on en met topique ici. Ça, je vous le dis, là, si vous avez des bonnes habitudes de vie, c'est parfait, mais souvent, on a quand même, soit qu'on a un repas qu'on mange un petit peu trop, soit qu'on n'a pas bien assimilé les aliments, bien, ça va nous aider. C'est à avoir sous la main. Ce mélange-là est vraiment hallucinant. Donc, en le mettant topique, comme je disais, directement sur l'estomac aussi, des ballonnements, ça marche très, très bien pour les ballonnements, la constipation aussi, même les petits bébés constipés, on peut en mettre une petite goutte dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de coco, puis on va masser le bedon. Ça va beaucoup, beaucoup aider. Puis on l'a chez doTERRA aussi en petite capsule déjà. Donc, on sent pas bien, mais on prend tout de suite une petite capsule. Donc, ça l'aide beaucoup. Puis, on l'a en roll-on aussi. Donc, moi, je l'ai tout le temps dans mon sac à main, le roll-on, que dès que ça va pas bien, le petit reflux, j'en mets un petit peu topique, puis une minute après, j'ai plus rien. Puis, si vous me permettez, là, une petite
petit témoignage, là. Une de mes amies, son chum, il a la maladie crâne, puis quand il y a des grosses crises, là, il les sent venir. Puis, il dit à sa blonde, j'ai une crise qui s'en vient. Fait qu'elle venait juste de recevoir ses huiles. Fait qu'elle lui a donné un peu de Zengess. Elle s'est massé le ventre avec ça. Puis là, ils ont continué leur soirée. Puis là, le soir, en se couchant, elle dit, « Hey, t'as pas eu de crise? » Il a dit, « Ben non, j'ai pas eu de crise. » Fait que tu sais, il s'en est comme pas rendu compte. Puis ça avait fait son effet. Puis ça fait un effet frais aussi parce qu'il y a de l'amande poivrée. Donc, c'est très, très intéressant comme effet. Tu peux y aller, Chantal. Donc, doTERRA, ce n'est pas que des huiles essentielles, c'est beaucoup plus large, puis c'est vraiment tout pour un mode de vie sain. Pour la digestion, j'ai ciblé quelques produits, dont les fibres. Les fibres, c'est notre nouveau produit de notre gamme doTERRA Nutrition. Les fibres sont hallucinantes. En plus, elles goûtent super bon. On peut mettre ça directement dans l'eau, brasser un petit peu, puis c'est 10 grammes de protéines, 10 grammes de fibres, excusez, qu'on peut ajouter à notre alimentation. Et il y a aussi à l'intérieur un peu d'huile essentielle de citron et des prébiotiques. Et les prébiotiques, elles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nourrir les bonnes bactéries. Hein, c'est ça, Chantal? Ils vont nourrir les bonnes bactéries de notre flore intestinale. Exactement. J'ai mis la photo de notre supplément, les LV, le trio de suppléments qui sont des antioxydants, des vitamines et minéraux et les oméga-3, parce que ça, c'est vraiment la base de la santé. Quand on a une bonne alimentation puis qu'on veut aller encore plus loin puis ça va bien pour nous pour les prendre, bien, c'est vraiment un plus, là. Et avec tout ça, vous pouvez ajouter les enzymes alimentaires. On parlait tout à l'heure d'enzymes, des combinaisons alimentaires, bien ça va aider à mieux assimiler et à mieux métaboliser toutes les vitamines et les minéraux dans le corps. Parce que souvent, avec notre alimentation, quand on a assez de légumes crus pour notre alimentation, pour bien digérer, c'est correct, mais souvent, on n'en a pas assez. Fait que ça va juste être un aide, puis ça va vraiment aider à aider le bol alimentaire là, à bien se liquifier et va bien assimiler et métaboliser. C'est important de bien métaboliser aussi les vitamines et les minéraux. On a juste à côté de cette petite bouteille-là, c'est les PB Assist, c'est les probiotiques. Donc, les probiotiques sont faites exprès pour aller se décapsuler dans nos intestins. Et tout à l'heure, on disait que les intestins, c'est vraiment notre deuxième cerveau. Là. C'est là aussi que tout part pour... c'est là qui produit aussi une de nos hormones du bonheur, l'hormone du bonheur, la sérotonine. Donc, c'est fait ça dans nos intestins. Donc, d'avoir une bonne flore intestinale, ça va aider à avoir une bonne production de sérotonine. Et j'ai les gélules de menthe poivrée, que ça, tous ceux qui ont des problèmes de ballonnement, qu'ils sentent là, dans les intestins, qui ont souvent des problèmes, bien, de prendre une petite capsule de menthe poivrée comme ça, ça va aller directement dans les intestins, puis ça fait frais dans les intestins, puis ça soulage énormément. Donc, c'est plein d'autres petits trucs que vous avez ici pour vous aider là, avec vos petits problèmes de digestion. Donc, ça fait déjà le tour de notre sujet principal. Maintenant, comment on fait pour profiter de nos services en naturopathie, Chantal? Oui, bien, en fait, moi, j'offre des consultations en cabinet. En cabinet, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc pour les gens de la région, évidemment. Mais si vous n'êtes pas de la région, je fais aussi des rencontres en ligne. Donc, peu importe la distance, à ce moment-là, on n'est pas limité. Moi, ce qui est important pour moi quand je fais de la consultation, c'est vraiment d'avoir un enseignement sur la compréhension et l'origine des malaises que la personne vit. Parce que, selon moi, c'est la base de comprendre pourquoi on vit quelque chose. Ça nous permet d'avoir déjà 50% du chemin de fait vers la guérison ou vers l'amélioration de la condition. Parce qu'après ça, on est capable de voir venir justement ou de cibler c'est quoi nos problématiques.
Ensuite, évidemment, il y a des conseils qui sont adaptés à la réalité. Hein. Chaque personne vit des réalités différentes. On a tous des emplois différents, des réalités familiales différentes. Donc, j'essaie toujours de conseiller vraiment de façon le plus optimale pour que ce soit des nouvelles habitudes qui soient intégrables facilement dans votre quotidien. Des fois, tu sais, tout seul, on n'arrive pas toujours à savoir ah, où c'est que je pourrais mettre, comment je pourrais faire pour manger plus de fruits et légumes, comment je pourrais faire pour améliorer mon sommeil, tout ça. Mais ensemble, dans le fond, on arrive à établir vraiment un plan d'action, justement, mise en place d'un plan d'action qui est vraiment concret pour venir soutenir l'adoption des bonnes habitudes de vie. Pas juste 3 jours, mais vraiment à long terme, dans le fond, là, pour que ça devienne au quotidien et que vraiment vous voyez. Puis, à date, là, les clientes que je vois, là, des fois, ça prend une rencontre ou deux. Là. Des fois, c'est des petites choses qu'on fait juste ajuster, mais qui font une grande différence dans la qualité de vie de la personne. Puis, souvent, les personnes, ils reviennent me revoir après leur premier rendez-vous. Souvent, je donne un rendez-vous 3 semaines, 1 mois après pour justement faire un petit suivi, s'assurer que tout va bien, est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire. Puis déjà, ils voient comme une différence sur leur énergie, ils voient une différence sur leur état de santé. Ils sont comme, hey, wow, j'en viens pas. Puis des fois, c'est des petites choses qu'on a changées, mais c'est normal. Tout seul, des fois, c'est pas facile. Tu sais, on le voit pas nécessairement quand on est trop dans notre réalité, puis quand on est trop dans notre malaise aussi. Hein, quand on est malade depuis longtemps, des fois, on ne voit plus comment s'en sortir. Puis c'est là que c'est important, justement, d'aller chercher un soutien qui est objectif, premièrement, puis un soutien qui est extérieur qui va nous amener une autre vision. Et évidemment, j'émets des reçus hein, pour les assurances, pour les gens qui ont des assurances privées. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en naturopathie, si vous n'avez pas d'assurance privée, c'est possible de le mettre aussi sur vos rapports d'impôts au niveau provincial, comme frais médicaux. Donc, vous pouvez venir rechercher un petit pourcentage à ce moment-là au niveau des rapports d'impôts qu'on fait là, toutes les années. Donc, c'est un petit peu le concept là, de ce que j'offre en naturopathie. Pour les huiles essentielles, bien, c'est sûr que moi aussi, je fais vraiment des rencontres personnalisées avec les clients pour connaître vraiment leurs besoins et y aller selon leur budget aussi. Donc, on fait des rendez-vous téléphoniques ou en ligne par Zoom. Et ça peut aussi être, comme je le disais tout à l'heure, là, des ateliers d'introduction aux huiles essentielles. Puis après, on va vraiment selon vos besoins et votre budget. Les commandes, c'est en ligne. Puis, ça arrive directement chez vous. Les livraisons, c'est directement chez vous. Et il y a une éducation continue de grande qualité, l'accès rapide aussi à votre conseillère et des huiles essentielles, comme je disais tout à l'heure, de très haut niveau de qualité, les meilleures sur le marché. Je n'ai même pas honte de le dire, c'est vraiment ça. Et 25% de rabais du prix détail, dans le fond, sur tous les produits du catalogue de doTERRA. Comment ça te tente? Hein? Je déparle. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est correct. Donc, un petit bonus pour vous aider pour votre digestion. Moi, j'ai une petite passion aussi pour la réflexologie. Donc, la réflexologie, bien souvent, comme on disait tout à l'heure, le système digestif, ça joue un rôle important sur tout notre corps, hein, sur le bon fonctionnement de tout notre corps. Quand ça va bien, c'est quand l'appétit va, tout va? Exactement. Bien, vous êtes capable, avec la réflexologie, d'aller cibler vos petits bobos, dans le fond, juste par cette méthode-là qui est vraiment très peu, pas invasive du tout, est vraiment très douce. Puis, le système digestif est vraiment dans la partie centrale du pied. Donc, juste en massant, même pas obligé de connaître ça, là, en sachant que vous massez, vous pouvez y aller avec des huiles essentielles, vous pouvez y aller en automassage. Là. Vous massez le dessous des pieds dans la section centrale et vous allez aider à dégager des petits problèmes que vous pouvez avoir. Si vous ressentez des petites bosses en dessous des pieds, bien, c'est là qu'il y a des bugs, des petits problèmes. Donc, si vous regardez l'image, vous allez peut-être dire, hey, c'est directement où l'estomac, tu sais. Fait que là, allez-y masser, allez-y en ligne, de côté, en automassage, avec l'huile essentielle de Zengest peut-être, ou une autre huile calmante. Ça va vous aider. Donc, c'est le petit bonus que je vous offre ce soir.
Puis moi, juste rapidement, rapidement, là, les petites astuces de base, bien évidemment, tu sais, on prend le temps de manger, on mange quand on a réellement faim, on prend le temps de bien mastiquer parce que la digestion commence dans la bouche avec la salive, donc c'est important de bien enrober notre nourriture de salive. On s'assure d'avoir un maximum de légumes à nos repas. On essaie d'inclure le plus possible un 30 minutes d'exercice physique par jour, au moins 4 à 5 fois semaine. On boit de l'eau, on se repose suffisamment. Puis, à travers tout ça, on essaie de trouver l'harmonie puis l'équilibre qui nous convient à nous, qui convient à notre réalité. Parce qu'en réalité, la santé, c'est censé être la condition normale de tout être vivant si on suit, dans le fond, les règles de base de la nature, donc les bonnes habitudes de vie. Avez-vous des questions? On va arrêter le... Oui. Ça? Avez-vous des questions? C'est le temps!